Bonjour à tous et à toutes, ici Apple Boss. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un tuto qui va vous permettre de contrôler votre ordinateur directement depuis votre iPhone ou iPod. Donc pour ça, donc déjà sur votre ordinateur, vous allez télécharger l'application TeamViewer. Donc comme ça s'écrit TeamViewer. Donc cette application là, donc vous pouvez la télécharger sur votre Windows ou Mac. Donc elle est gratuite sur le Windows ou le Mac. Et ensuite, donc, il va falloir que vous la téléchargez sur votre iPhone ou iPod. Donc, pour faire cela, donc, vous allez aller donc, dans l'Apple Store. Donc, il y en a une qui est payante et une qui est gratuite. Donc, nous, on va pouvoir télécharger celle qui est gratuite. Donc, par contre, elle est donc que pour les particuliers. On n'a pas le droit de faire du professionnel dessus. Donc, on la télécharge, elle est bien gratuite. C'est TeamViewer sur l'Apple Store aussi. Voilà. Donc, une fois que tout est installé, donc... sur l'ordinateur et sur l'iPod ou l'iPhone. Donc on va lancer l'application de l'iPhone ou l'iPod. Donc on clique dessus. Là, il va nous demander l'identifiant TeamViewer et le mot de passe. Donc ça, où on le trouve. Donc là, regardez. Voilà. Donc ça, l'idée, donc on va le mettre dans l'identifiant de TeamViewer et le mot de passe. Voilà. Donc là, je vais rentrer donc, les identifiants dans l'iPad, dans l'iPod. Donc, dans identifiant TeamViewer, donc, je vais mettre l'idée. Donc, 486 925 432. Et le mot de passe, 33 39 80. Donc, une fois qu'on a tout rentré, on va mettre connecté à un partenaire. Voilà. Donc là, maintenant, donc il nous met ça, donc on va mettre continuer. Et là, vous êtes, donc, regardez, on a le même écran. Voilà, là, donc on contrôle l'ordinateur. Alors, attendez, regardez, par exemple, là. On va ouvrir... attendez, on va zoomer déjà. Voilà. Donc là, après, vous pouvez zoomer. Hein. Donc là, on a la souris. Vous voyez, elle se déplace quand je touche. Là, on va vouloir ouvrir Mozilla. Donc, on clique deux fois dessus. Voilà. Et là, vous le voyez qui se lance, là. Voilà. Donc là, la recherche Google. Donc, si vous voulez taper quelque chose, donc vous allez là. Et là, donc, vous avez les commandes. Donc, on va prendre le clavier. Voilà. Et là, maintenant, on va taper... on va taper, donc, mon site. Alors, attendez. Donc... Apple... Boss... Point... Blog... Spot... Alors, donc là, vous voyez, là, après. Donc là, voilà. Là, on a le truc. On a mon site. Donc là, après, on peut cliquer dessus. Hein. Voilà, on va cliquer. Donc là, ça charge. Et là, voilà. Là, nous sommes sur mon site. Donc, vous voyez... Voilà, après là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Là, pour enlever, donc on va cliquer tour. Non, on va... Donc après, pour enlever le clavier, donc on va cliquer là. Là, vous avez ça. Là, voilà, on a enlevé. Voilà, donc c'était Apple Boss pour vous montrer comment contrôler son ordinateur sur son iPhone ou iPod. Voilà, à très bientôt. Merci, au revoir.